Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, donc une info news à propos du nouveau shotgun que je vous avais déjà présenté sur une de mes anciennes vidéos dans les futures armes à venir sur Fortnite. Et ben là le shotgun qui s'appelle Heavy Shotgun vient de sortir dès aujourd'hui et il est sorti en niveau rareté légendaire et épique. Donc c'est le premier fusil à pompe qu'on a en légendaire, donc en or. C'est la première fois qu'on a un fusil à pompe en or, donc je pense qu'il va vraiment envoyer du lourd. Donc je vais vous expliquer les dommages. Donc il faut savoir que le pompe chasseur vert, il fait du 95 de dommages. Donc le nouveau pompe Heavy Shotgun, il fait du 77 en dommages. Mais donc c'est beaucoup moins, mais je pense qu'il va être mieux parce qu'il est plus rapide. Il y a déjà dans le chargeur, il y a 7 balles dans le shotgun fusil à pompe chasseur, ben, il n'y en a que 5. Donc là on a 2 balles supplémentaires, donc c'est vraiment pas mal. Alors le taux de rechargement est plus long que le pompe chasseur, mais voilà, comme c'est un semi-automatique, enfin à moitié semi-automatique, je pense qu'il va être plus efficace parce qu'on va tirer plus rapidement. Alors il fait un tout petit peu plus de dégâts que le pompe tactique, parce que le pompe tactique automatique là, mauve, il fait du 74 de dommages. Et il a 8 balles dans le chargeur, voilà. Mais je pense vraiment qu'il envoie du lourd. Donc je vous ai mis un gameplay hein, de quelqu'un qui l'avait découvert hier, carrément. Il l'a eu hier dans un coffre, comme vous pouvez le voir. Et là, il essaye, et quand il tire sur son ennemi, ben, il lui fait pas mal de dégâts. Franchement, c'est pas mal. Il lui fait du 85, je pense, de dégâts. À quand même une longue distance. Donc ce fusil à pompe est super bien pour les moyenne distance et sûrement les courtes distances aussi hein, parce que plus vous êtes prêt avec un fusil à pompe, plus vous allez faire de dégâts. Donc voilà, là je vais essayer d'aller le tester en live. J'ai rien d'autre à dire à part que peut-être qu'ils vont le patcher, parce que s'il est vraiment super efficace, ils vont sûrement diminuer ses dégâts, le rendre un peu moins efficace, parce que sinon ce sera trop cheaté. Après c'est possible qu'il soit pas assez efficace, donc qu'ils augmentent les dégâts, mais je pense qu'il va être trop efficace. Et je pense qu'on va pouvoir bien en profiter et faire des beaux kills avec ce nouveau fusil à pompe. Franchement, c'est ce qui manquait. Ils nous ont mis des nouveaux guns, des nouvelles mitraillettes, des nouveaux plein de trucs qu'ils nous ont mis, mais pas de shotgun. Et là, c'est le premier shotgun qui nous sort et on l'attendait depuis longtemps. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.